les amis, suivez-moi pour les actualités. Dans cette chaîne, on va parler sur tous les actus de vos stars préférées. Alors n'hésitez pas de liker et abonner dans ma chaîne. Grosse force à vous l'équipe. Un politicien congolais s'attaque à Booba pour défendre Gims, le DUC lui termine. Le clash entre Booba et Gims se renouvelle de temps à l'autre et le DUC ne rate pas l'occasion de s'attaquer à son rival. Comme la dernière fois après que Gims a lancé son dernier album Les Dernières Volontés de Mozart. Pour Booba, cet album est un projet échoué. Mais il y a quelques heures, un politicien congolais attaque les Booba pour prendre la défense de Gims. Il a dit « Désormais tu touches à notre ambassadeur Gims, tu touches à notre pays, la République démocratique du Congo. Tu es sûrement un allié de terroristes, de M23. » Tout en respectant ton papa, mais il porte quel numéro de veste déjà? Mbakassa Mokoboy, terroriste Mokoboy, tu soutiens le pays de ton père. Booba de son côté, il a se moqué de ce député et il a dit sur son compte Twitter, Honoré Mvula, pardonnez-moi votre excellence. Donc là, je rentre en clash avec le cinquième membre de Magic System. C'est ça l'histoire. Maes s'en prend de Sicario, il a dévoilé des dossiers sur lui, Sicario réagit. Ça fait un mois que Maes a enchaîné ses clashs contre Booba et ses proches. Le sevrenais l'a promis de finir la carrière de DUC. Il paraît que Maes peur de personne dans ce clash. Maintenant c'est au tour de Sicario, le jeune rappeur protégé de Booba, originaire de Saint-Louis en Alsace. Il y a quelques heures, Maes a dévoilé dans ses stories la carte d'identité de Sicario et un album pour lui éclater. Maes il a dit, sinon j'ai son album et il est tout bas. Heureusement qu'il te reste SDM, mais plus pour longtemps. Hashtag la piraterie est finie.